Alors, j'ai connu le Festival des Naissances par relations professionnelles et extra-professionnelles. Je connaissais le territoire puisque c'était le lieu de mes vacances étant enfant. Alors, il y a eu deux implications distinctes. La première, c'était une implication financière par un soutien financier, je dirais, de l'association et du Festival des Naissances. Et le deuxième soutien a été une présence physique lors du festival. Voilà. Par rapport au fait de construire le réseau, c'était plus la recherche du partage avec des gens, et de connaître de nouvelles personnes et de nouvelles façons de penser ou de voir les choses. Alors, festival très positif, avec des gens très ouverts, très accueillants. Après, effectivement, il y a eu des moments de partage autour d'un repas, mais aussi la préparation, je dirais, du repas ou des repas, avec cette possibilité d'échanger sur plein de sujets, sur, je dirais, la permaculture, le bio, sur la ruralité et tout ça, tout en, je dirais, liant l'utile à l'agréable. L'importance pour moi, c'est aussi pour ça que j'ai souhaité participer. Aujourd'hui, on parle de ruralité, on parle d'exode rural, on parle de congestion des métropoles. Et je me rends compte qu'il y a des actions comme ça qui peuvent être menées par des gens au niveau rural et qui cherchent à développer d'une part du lien, d'autre part, et cherche à construire économiquement pour rester dans cette partie rurale. Et donc, ça m'a touché personnellement et j'ai voulu participer financièrement pour les soutenir. Je pense que ça peut prendre une envergure et bien au-delà du Massif Central, mais le Massif Central a de nombreux atouts économiques et écologiques. Dans la ruralité, aujourd'hui, il y a ce noyau, des noyaux durs qui peuvent se créer et qui, à mon avis, sont plus fermes que dans les métropoles où la personne devient totalement un numéro, un pion. Voilà. Et là, il y a une proximité, il y a du lien qui peut se créer. Voilà. Le plus gros problème pour moi, ça va être, puisque le travail se situe dans les métropoles, c'est de pouvoir assurer un transport rapide et efficace et non polluant entre les zones rurales et les zones de métropole. Alors, le rôle de l'entreprise peut être un soutien économique dans le cadre du festival, mais aussi c'est une réflexion qui peut être faite pour délocaliser, je dirais, les entreprises dans les zones rurales. C'est une forme d'aménagement du territoire où je dirais qu'aujourd'hui, aménagement du territoire, ou repenser, je dirais, la répartition du territoire.